elle a bousculé ce jeune garçon. Elle lui demande comment il s'appelle. Il s'appelle Steven Meru. Pourquoi pas traîner avec lui? Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Ah oui, allez, vas-y. On va rigoler. Demandez de passer du temps ensemble. On va voir s'il répond oui. Ok, je peux rester un peu. Super! Invité à rejoindre le groupe Les Rockettes. Tu plaisantes? J'adorerais rejoindre Les Rockettes. Oh, mais trop bien! Il est trop gentil, ce petit. Hop, on est trois. Allez, viens avec nous. On va partir avec Henri. Direction l'entrepôt abandonné. Le nouveau squat des enfants. Allons-y, les amis. Oh, c'est trop mignon. On fait partie du même groupe. J'open my door. Ah, pas très contente cet enfant. Manger, embaucher du personnel. Oh, oui. Allez, va prendre des chips. Toi aussi. Et toi aussi, prends des chips. Fais comme nous là. Oh, on va s'asseoir à côté de lui. Ok, d'accord. Il est rock'n'roll. Écoutez de la musique forte. Trop mignon. Est-ce qu'on pourrait danser tous les deux? Non, danser ensemble. ça casse tout. Ouais, trop cool. Super le groupe. Oh, c'est qui? T'es qui toi? Tu veux faire partie de notre groupe? Il sort d'où lui? C'est Tarzan ou quoi? Comment passer d'une soirée super cool à vraiment une soirée gênante? Super, on a un nouveau copain. Invité à rejoindre le groupe. Allez, dansons tous ensemble. Oh, regardez! Ils sont trop mignons tous les deux! Elle a l'air super à l'aise avec lui. Mais par contre, en fait, de base, quand j'ai dit danser ensemble, je parlais de tout le monde. Pas que eux deux, quoi, voilà. Pourquoi vous éteignez la musique? J'hésite à déplacer cette table. Histoire qu'ils puissent quand même bouger ici. Oh, je les trouve trop chou. Ah ouais, non, mais ils veulent vraiment danser ici. Mais vous trouvez pas que elle, c'est vraiment une star par rapport aux autres, là? Ça se voit, rien que sa manière de bouger. Elle est vachement plus talentueuse que les autres. Elle danse même quand il n'y a pas de musique. Ça, c'est du talent. Ça, c'est du talent. Oh, non. S'il te plaît. Améliore-toi. Mais non, non, c'est pas mieux. Oh, merci. Deuxième flouze. Oh là là, le début de la gloire. Trop bien ça. Elle peut pas s'entraîner à chanter en tant que petite fille. Si. Waouh, ça m'a vraiment cassé les oreilles. Ah mais vraiment, je sais pas, ça m'a fait un truc, c'était horrible. Oh, au début je me suis dit, oh cool, do ré mi fa sol la si do, mais après c'était... Ah mais même lui, il en peut plus quoi. On l'entend d'ici quoi. Stop. Non, elle veut pas dormir, elle veut continuer de chanter. Vas-y ma fille, tu vas y arriver. Tu es une star. Ah, c'est bon, c'est fini. Bon, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ah non, elle reprend. Elle est vraiment motivée quand même hein. C'est les débuts, hein, mais vous inquiétez pas, je vous jure que plus tard, ce sera vraiment des stars, tous très talentueux. Non mais vraiment, on ne peut pas rester dans la pièce d'en bas, hein, ça fait vraiment trop mal aux oreilles. Hein. Oh, qui es-tu? Belle inconnue. Présentation amicale. Est-ce que c'est le frère de quelqu'un? Non. C'est ton frère? Non. Ok, bon, c'est un inconnu. Allons lui parler. Elle le trouve trop cool. Et peut-être que c'est grâce à lui qu'elle va apprendre à chanter ou à faire de la guitare. Je ne sais pas. Allez, va dormir un peu quand même. Lui, il est bien posé. Bon, il y a bientôt école. Est-ce qu'ils vont à l'école ou est-ce qu'ils décident de rester là? Bon, je pense pas que tout le monde suivra. Parce que je pense que... Alors, comment il s'appelle déjà? Steven et Taku, là? Taku, ouais. Taku ou Taku? Taku, c'est mieux. Je pense qu'ils vont partir automatiquement. Qui c'est qui joue encore? Mais arrête, j'en peux plus. Non, là, j'en peux plus.
On va la regarder dormir. Et là, elle va chanter en dormant. Horrible. Ils se font engueuler ou quoi? Tout le monde appelle. Comment ils descendent? La petite May manque l'école. Si elle manque trop de jours, cela nuira à ses notes. C'est pas grave. Moi, je vais devenir une star. Ils ont tellement de créativité à revendre. C'est des futurs chanteurs, eux aussi, hein, dis donc. Oh non, elle a son club de théâtre. Ça, j'ai pas envie de le louper, par contre. Bon, elle va y aller. Elle veut juste devenir une star. Est-ce qu'elle peut se faire un petit sandwich? Sandwich. Confiture, beurre de cacahuète. Oui. Et je veux que tu manges ici. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Pitié. On n'est pas là pour faire de l'escalade, hein, mon petit. On va inviter Steven. C'est mon préféré. Soyons amis. Raconter une histoire inventée. Faire une imitation. Raconter une histoire idiote. Et comme ça, j'espère qu'ils vont être amis. En fait, j'ai envie de prendre une photo de groupe, mais j'aime pas leur tenue. Je vais leur demander de changer. On va faire une tenue de fête. Donc j'avais déjà celle-ci. Et j'aimerais bien en avoir une, donc un peu plus rock'n'roll. J'ai envie de lui mettre un petit style avec une veste en cuir noir. Ou alors, je lui mets ça. Et je lui mets des collants noirs et des bottines. Ça, c'est mignon, non? Et une petite étoile. Sinon, on peut leur mettre par exemple un t-shirt comme ça, là. Tous le même t-shirt, et comme ça, ça fait vraiment petit groupe. Ah, ça, c'est pas mal. Ça lui va bien, cette couleur. Allez, je fais ça plus la veste. Là, ça fait un rappel de ce t-shirt-là. On dirait qu'elle a juste rajouté une veste. Du coup, j'aime bien. Allez, toi, on va te mettre ça. Ses parents ne vont pas du tout le reconnaître. Mais qu'est-ce que tu as fait, mon enfant? Ok, donc toi, hop, on te met ça. Et on te met... Est-ce que ça, ça te va ou pas? Tout lui va, cet enfant. C'est incroyable. Ah, ça, ça te va bien. Et les babottes. Allez, nickel, il est beau, lui. Ça veut dire que les autres ne sont pas beaux. Je suis méchante. Et je connais un super endroit pour réaliser cette première photo de groupe. Un endroit mémorable. Un endroit rebelle. Pourquoi pas le cimetière? Oh, mais ils sont trop mignons! Moi aussi, je veux faire un check. Attends. Alors... Mais on a beaucoup de points, dis donc! Eh, on s'en rend pas compte, mais on fait beaucoup de choses ensemble. Groupe populaire. Mais oui, bah oui. On est populaire, nous. Enfin, non. Non, c'est vrai que j'aurais pas dû. Non, on n'est pas populaire pour le moment. Allez, on commence à être populaire. On entend parler de nous à l'école. Mais bon, pas en bien, quoi. Alors, poignée de main, croise-croise, pointe, devant, derrière, en haut, en bas, point contre point, et en bas, en haut, chiconode. Chiconode, c'est ça, chiconode? Qu'est-ce que je préfère? Croise-croise, pointe. Devant, derrière, en haut, en bas. C'est quoi ce truc? C'est comme ça qu'ils font? Ouais, moi j'aime bien chiconode. Non, allez, croise, c'est mieux. Ambiance de groupe, confiance, énergisée, colère. Oh, stylé. Étant donné que là, en ce moment, ils sont rebelles, ça pourrait être ça. L'ambiance de groupe colère permet de mettre en colère tous les Sims présents à votre réunion de groupe. On va mettre confiance. Ils sont confiants ensemble. Et vêtements de décoration. Ah, mais oui, c'est vrai! Mais oui, on avait directement ça, en fait. On verra plus tard, ça aussi. Là, on commence avec des t-shirts qu'on a trouvés. Et après, on fera vraiment un t-shirt personnalisé. Mais c'est cool! Oh, il est trop mignon! C'est pas une très très belle photo, hein. Mais c'est déjà ça. Et voilà, on peut faire un petit effet sombre. Comme ça, ça rappelle le moment au cimetière, quoi. Là, on a vraiment un vrai groupe de musique. Attends, il y a même les chats qui s'y mettent. Ou je sais pas qui c'est qui a crié. Bon bah du coup, on va lui proposer de venir dans notre groupe parce que c'est... le guitariste, et on en avait besoin. Quoique, je l'aurais plus vu violoniste, lui, Ben. Qui pourrait être quoi? Guitare, basse, violon, et piano, Ben, quand même. Allez. Quoi? Ah d'accord, elle a débloqué le chant, c'est bon. C'est que maintenant qu'elle débloque le chant. Je me disais aussi, mais comment ça se fait qu'elle n'évolue pas? Bon, allez, petite pause. Elle a vraiment besoin de manger, etc., donc...
Sandwich, au fromage. Ah, toi aussi tu dors ici? Super, pyjama party. Ils dorment tous les deux là-haut, ils sont pas embêtés. Personne ne les recherche pour le moment, ils sont tranquillous. Et du coup, je vais vous laisser là-dessus. Bisous tout le monde! À très vite!